Bonjour à tous ici présents du Burundi. J'espère que vous allez tous très bien. Je m'appelle Cassien Tribunal Ahongané, je suis le modérateur aujourd'hui. Un accueil très chaleureux à toutes les personnes présentes ici au nom de la Fondation Merck. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour la formation des médias sur la santé de la Fondation Merck du Burundi en partenariat avec son Excellence Madame Angéline Ndayishimiye, la première dame de la République du Burundi et ambassadrice de la campagne Plus qu'une mère de la Fondation Merck et la Maison de la presse du Burundi. La formation sur les médias de santé d'aujourd'hui est présidée par la sénatrice Dr. Acha Kelej, CEO de la Fondation Merck et présidente de la campagne Plus qu'une mère. J'aimerais souhaiter la bienvenue à nos invités, conférenciers et représentants des médias ici présents qui vont donc être avec nous pour animer cette rencontre intellectuelle. Nous aurons des entretiens avec d'éminents experts médicaux qui aborderont divers problèmes de santé et sociaux. Nous avons un expert des médias qui soulignera le rôle que jouent les médias pour sensibiliser aux problèmes de santé et sociaux sensibles. Nous avons aussi des annonces très excitantes qui vont vraiment vous intéresser. Veuillez noter que nous avons une interprétation en français disponible pour vous tous. Veuillez passer la chaîne en français sur votre ordinateur ou votre portable. Donc, vous allez avoir une option qui vous permettra d'aller dans la langue française. Pour ceux qui n'écoutent pas l'anglais, pour l'intervention de la sénatrice Dr. Acha Kelej. Alors, pour vous donner un aperçu du type de travail que nous faisons à la Fondation Merck, nous aimerions que vous regardiez la vidéo de Jacqueline. Jacqueline, une histoire de Jacqueline Mwende, victime de la stigmatisation liée à l'infertilité. Suivons. Jacqueline Mwende, a 27-year-old young woman from a rural place called Masi in Machakos County, Kenya, tells us her sad story of having both hands chopped off, not by thieves, but by her own husband, for failing to conceive, even though he was the one with a fertility problem. Mandi ndio nilisikia akigonga mlango akiniambia aje aki nifungulie. Niliachana na chakula nilikuwa nakula, nikaamka nikaenda nikamfungulia. Kitambo nimfungulie ndio alinikata hii mkono. Ikaanguka hapo chini na akanifuruta nikaenda nikaanguka huko chini. Kitambo nianguka huko chini alikuwa ananikata kichwa na mikono na uso na akanidunga hapa na kisu na hiyo panga alikuwa nayo. Aliponichapa nilimuuliza eh kwa nini ngila unanichapa wewe utaniua peke yako akanyamaza akaniambia leo ndio siku yako ya kuongea hautaongea tena maishani. Merck Foundation came to the aid of Jacqueline through the Merck More Than a Mother campaign. She was provided with a new home and a supermarket to enable her to earn a steady income and become independent. Like Jacqueline, there are many other women that suffer from infertility stigma. Merck Foundation works closely with partners to empower them to be heroines of More Than a Mother movement. Jacqueline, I want to know that you are my sister. As long as I exist in this world, on Earth, my fate is connected to you. Yes. So you have to understand this. You come back to me in anything, I will always be there for you and my room is there. So I'm coming. Join her.
Voilà, en regardant cette vidéo, j'espère que vous avez une idée du type de travail que nous faisons et nous essayons de nous organiser en abordant les problèmes sociaux courants et pour venir en aide à la société entière. Maintenant, sans plus tarder, nous souhaitons la bienvenue à la sénatrice Dr. Acha Kelej, qui va donc intervenir pour l'instant. Veuillez noter que nous avons une interprétation en français, donc pour vous permettre de bien comprendre ce qu'elle dit parce qu'elle s'exprime en anglais. Cette interprétation est disponible pour vous. Veuillez charger, donc changer la chaîne en français, donc mettez l'option française qui vous permettra d'écouter ce que dit la sénatrice Dr. Acha Kelej. Donc, on va maintenant écouter la sénatrice Dr. Acha Kelej, CEO de la Fondation Merck et présidente de la campagne Plus qu'une mère de la Fondation Merck. Suivante. Good morning, bro. I'm Ahur. I'm very happy to be with you today for our first health media training in 2023. And I'm happy that it will be in Burundi for my partners, Media of Burundi, and in partnership with First Lady of Burundi, my dear friend and my dear sister and ambassador of Merck Foundation, more than a mother campaign, Her Excellency Mrs. Angeline Ndayishimiye. Sorry if I pronounced that name wrongly, but I do my best always. Today, what will happen today? Today, as we all used to, we're going to have a session, a day session of training, provide you with scientific information, very valuable about infertility and how to prevent infertility, how to raise awareness about male infertility and awareness about breaking the stigma of infertility, knowing that 50% of infertility caused by male factor, which is ignored by many of our communities because they only blame women for infertility, which we want to change, of course, with you, with our media, because we believe very much in the critical role that you play in your country, in your community, in your outlet to separate the mess from the facts and to break the silence and be the voice of the voiceless and relieve the suffering that women are facing from either physical violence or psychological violence for live with the stigma of infertility by themselves, alone, discriminated, mistreated, which is incorrect, and we want to change that together. So let us together work very closely to break the stigma of infertility and have improve access of infertile women and women live with the infertility stigma, and also men and couples to information, health, change of mindset and empowerment. This is very important for us. Therefore, we are going to have this media health training every month. We will go to a country and we do it online or even sometimes physically. So I'm also planning to come to Burundi during 2023 to meet my Her Excellency, my dear friend, and meet all of you. And maybe we can have another training that in person as well. And we can have a press conference. You can ask all questions you want for me and for Her Excellency. But also, I'm very happy that in Burundi, we have 25 winners till now for Media Recognition Award, which is a very high number. The media in Burundi is very active and I'm very proud of that. You've done a lot of work about infertility stigma. And last year, you've done also a lot of work about coronavirus and breaking the stigma, breaking the silence about many other wide range of topics like ending child marriage, supporting girls' education, and stopping FGM, GBV, gender-based violence. And also this year, which we are going to announce the winners for 2022 very soon,
You have also contributed to raise awareness about diabetes and hypertension and leading a healthy lifestyle. Therefore, we decided this year to add to our media training a very important topic, how to help you to deliver the messages of prevention and early detection of diabetes and hypertension to the community members in a very simple way that everyone, even if he has no scientific background or even education, can work on it and can benefit from it. So this media health training is very, very important for me and for our community programs. For me, on a personal level, as an African woman, as a pharmacist and a CEO of Merck Foundation, is very, very important. And for Merck Foundation as a part, very valuable and beneficial part of our community awareness program. You know, of course, in our community awareness program, we also have our Africa TV show that we are hoping that we will air it on Brondi TV soon as the translation to French finished. And it's also a TV program that we meet with fashion designers and singers and musicians to deliver the messages that we want to address different wide range of topics, like I mentioned before, in a very attractive and colorful way, and also to have a fashion and art with purpose, which is very important for young people, for children, for people who's busy, to get the information and to talk about it and break the silence about certain topics and sensitize the communities while they are doing other things quickly in a very beneficial and attractive way. This TV show is 15 episodes, and every and each episode has a different topic that we are addressing, from infertility stigma, supporting girl education, ending child marriage, raising awareness about diabetes, even women empowerment, even sustainability and environment protection, all these topics. It's very interesting, and we have a lot of audience because we aired it on Malawi TV, on Zimbabwe, Zambia, on Zimbabwe not yet, actually Zambia, Sierra Leone, Liberia, Kenya, Ghana, and Uganda. I'm not sure if I missed something, but anyway, we are in the plan to broadcasted on all TVs across our countries that we are partnering with. What else we've done with Her Excellency the First Lady of Burundi, very important initiative that educating girls and providing scholarships for girls, 20 girls or up to 40 girls, to provide them with education until they finish the high school. And this is very important because they are brilliant girls, but underprivileged, they cannot have, you know, afford the expenses of their education and schools, items, transportation, so on. So this is very, very important for me because these girls will reach their potential and fulfill their dreams because Merck Foundation Scholarship. What else we have done? We transformed together the patient care landscape in Burundi. And this is very important because why? Because with 47 scholarships is being provided to doctors by Merck Foundation and in partnership with the First Lady of Burundi and in partnership with the Ministry of Health of Burundi. And this is very important. These scholarships in diabetes, in fertility, embryology, and oncology, and many other things coming soon, like sexual and reproductive care and other specialty. We have actually 32 different critical and underserved specialties, but we, of course, they are more mainly in English, but the clinical training we provide for fertility, embryology, and oncology and diabetes in French. So this is that's why it was more popular. But together we transformed and we made history by training the first fertility specialist and first embryologist in Burundi. We have a big team now, almost 13 scholarships have been provided to them. And the four
Her Excellency has inaugurated and opened and established the first public IVF center in Burundi. And this is a great, great, great achievement. I'm very much looking forward to come over and to open it or inaugurate it with Her Excellency as soon as it's finished, but we also provided the training for all the staff of the working in the IVF center, as a new IVF center, which we are very proud of, and it will be maybe the first public IVF center in East Africa or French-speaking countries. So this is very, very important. What else we have done? Actually, we have done a lot of things together, and that's why we announced 8 different awards that we continue announcing every year. That's why you have 25 winners. But also this year, in 2023, we have the same 8 awards, but not only Media Recognition Award, but Fashion Award, Song Award, and Film Awards, all to raise awareness about this wide range of social topics, but also raise awareness about diabetes and hypertension. So 4 award is about More Than a Mother and social issues, and another award is about the four awards about raising awareness about prevention and early detection of diabetes and hypertension. We have made songs, 30 songs, and in French and English and Portuguese. And there is a very important song, so you will listen to it today. It's about diabetes, and I wish that this song is to be the national song of diabetes in Burundi and in all Africa, because we have made it in 3 different languages, English, French, and Portuguese, and we have remix of the 3. Today you will listen to the French song, and it will be sent to you by also to your emails, so you can air it to the FMs, radio FMs you are working in, on the TV, and my team will follow up with you with this regard. What else we have? We have also very important gift is being given to us by Her Excellency the First Lady of Burundi, from the daughter, lucky, of His Excellency the President of Burundi and Her Excellency the First Lady of Burundi, a very important song about More Than a Mother, a campaign, and how to empower infertile women and encourage them to stand up for themselves and have a purpose in life other than being a mother, and also encourage men to support their wives, during that journey of making a happy family, because it takes 2 to have a child. It takes a man and a woman to have a child. So please support your wife and encourage her, respect her, whether you have children or not. And this is what we're going to read in our storybooks. Also have 8 storybooks about breaking the stigma on fertility, very important story, children's storybook, but also very good for adults. And educating Linda and rescue Jacqueline and a ride into the future and not who you are, and Jude sugar free, and Mark I don't remember the name of this the story, but it's new also. It would be about hypertension. So one about hypertension, one about diabetes, one about educating girls, one about ending child marriage, one about breaking the stigma of infertility, one about supporting girls' education again. So all these stories would be very good to distribute for children in schools, whether children, women, girls, or boys, because we also want to encourage boys to respect their sisters, the women in their life, mothers, and the women will be in their life in the future, like their wives and their daughters, and give them the rights to access everything like a boy, like the men. So equality, gender equality is very, very, very important. And how we will do that without you, without media, without the media partners, the critical partners in our lives, you are the one who can sensitize the community and create a culture shift. Therefore, we are going to work all together, and I'd like to
wish you to enjoy and of course benefit from the Merck Foundation Health Media Training in 2023 in partnership with Her Excellency the First Lady of Burundi and Ambassador of Merck Foundation More Than a Mother. Looking forward to see you soon in person in Burundi and bye-bye, wish you good luck. Voilà, donc c'était notre CEO, Dr. Racha Akelege, qui a parlé des mots très, très inspirants, des paroles inspirantes. Alors, pour parler brièvement des deux prix que nous avons ici, le prix de la Fondation Merck Plus qu'une mère 2022 et le prix de la Fondation Merck Diabète et Hypertension 2022. Alors, ces deux prix, ça vous permet donc de faire des reportages, des articles en ligne ou des vidéos ou des émissions radio, télé qui parlent des sujets en rapport avec la stigmatisation liée à la fertilité, soutenir l'éducation des filles, mettre fin aux mutilations génitales féminines, donc, et aussi les violences basées sur le genre. Donc ce genre de sujets, ce sont des thèmes que vous pouvez aborder dans vos articles, dans vos reportages, radio, télé, en ligne ou à la presse écrite, pour sensibiliser la communauté à ces différents sujets. Et après avoir fait ces reportages, ces articles, vous les soumettez au concours, donc au prix de la Fondation Merck Plus qu'une mère. Et puis également le prix de la Fondation Merck pour le diabète et hypertension. Diabète et hypertension, c'est un sujet bien évidemment médical, promouvoir un mode de vie sain, c'est-à-dire éviter trop de sucre par exemple, sensibilisation donc à la durabilité et à une vie, à la consommation des produits qui renforcent le système immunitaire. Tous ces sujets peuvent faire l'objet des reportages, des interviews, etc., des documentaires que vous pouvez donc diffuser pour la communauté et soumettre pour le concours Plus qu'une mère et aussi pour Diabète et Hypertension 2022. Voilà donc les deux concours, les deux prix de la Fondation Merck que je tenais à vous informer. Et donc, j'espère que vous allez être beaucoup nombreux à jouer. Et je suis certain que vous allez vraiment passer des très bons moments en faisant partie de cette communauté de jeux et aussi cette communauté de sensibilisation pour la communauté. Alors, maintenant, je suis certain que tout le monde est prêt pour la formation maintenant. Veuillez noter que cette formation sur les médias de santé est diffusée en direct sur nos canaux de médias sociaux à travers Facebook, à travers Twitter, dont vous pouvez avoir accès également à, en direct à ce contenu. Chers participants, veuillez noter que vous pouvez poser des questions à nos éminents conférenciers à tout moment pendant cette conférence, à cette formation, en tapant vos questions dans la section des commentaires ou dans la boîte de discussion, et les conférenciers, vous pouvez répondre aux questions posées par nos participants. C'est très important. Veuillez noter que nous avons également un segment séparé des questions et réponses vers la fin, où les questions peuvent être traitées par les orateurs. Avant de commencer avec les orateurs, j'aimerais que vous regardiez tous la promotion de l'émission Notre Afrique par la Fondation Merck. Notre Afrique par la Fondation Merck est un programme télévisé panafricain qui est conceptualisé, produit, réalisé et co-animé par la sénatrice Dr. Racha Akelege. Le programme présente des créateurs de mode africains, des chanteurs et des experts éminents de divers domaines dans le but d'aborder et de sensibiliser à divers problèmes de santé et sociaux tels que briser la stigmatisation de l'infertilité, importance de la détection précoce et de la prévention du diabète, soutenir l'éducation des filles, promouvoir un mode de vie sain, mettre fin aux mutilations génitales féminines, sensibilisation à la santé des coronavirus, durabilité et mode recyclé, et la violence basée sur le genre. Avec ce programme télévisé, l'objectif est de créer un changement des cultures à travers le continent africain. Donc, suivons maintenant la promo et on revient juste après. Senator Dr. Racha Akelege and creator of our Africa TV show. All Africa will be part of our show. The CEO of Merck Foundation. We want to support girls' education.
No to infertility stigma, yes to girls' education. We want to stop gender-based violence, full stop. Number of child marriage will double by 2050. Voilà, donc vous pouvez regarder notre Afrique par la Fondation Amérique sur notre site internet, le site web et nos chaînes des médias sociaux sur YouTube et Facebook. Recherchez le titre Notre Afrique par la Fondation Amérique et vous pourrez également regarder les 15 épisodes. Alors vous pouvez suivre les différents épisodes pour vous permettre de connaître ce que fait la Fondation Amérique, comment faire la sensibilisation pour la communauté. Passons maintenant à la partie la plus importante de notre ordre du jour et appelons notre premier orateur de la journée, Dr Gilbert Nibi Tanga, obstétricien, gynécologue et spécialiste de la fertilité et ancien de la Fondation Merck du Burundi. Dr Gilbert Nibi Tanga parlera de la prévention de l'infertilité, le lien entre l'infertilité et les maladies infectieuses et l'infertilité masculine. À vous, Dr Gilbert Nibi Tanga. Merci beaucoup, messieurs le présentateur. D'abord, je commence à remercier la Fondation Merck pour le travail déjà abattu. Spécialement, je remercie Madame sénatrice Racha Kalej pour tout ce qu'elle a déjà fait pour notre pays, le Burundi, et pour moi-même. Parce que, comme vous l'avez déjà dit, nous sommes parmi les bénéficiaires des bourses de la Fondation Merck. Donc, je voudrais que vous passiez à la deuxième page, le titre de la présentation. Merci beaucoup. Donc, c'est un sujet très important dans la prévention de l'infertilité. C'est un sujet qu'on m'a accordé vraiment. Et je vous remercie de m'avoir accordé ce sujet très important pour venir en aide et aux couples infertiles. Et aujourd'hui, nous allons parler avec vous sur trois points. Et le premier point concerne la prévention de l'infertilité. Et le deuxième, nous allons parler à large le lien entre l'infertilité et les maladies infectieuses. Et enfin, nous allons terminer avec l'infertilité masculine, comme on reconnaît bien sûr, l'infertilité affecte les hommes et les femmes au même moment. La page suivante. Et comme nous le savons, la sensibilisation sur l'infertilité joue un rôle important, comme le modérateur l'a déjà dit. Ça va nous aider à sensibiliser les médias, ça va nous aider à sensibiliser la communauté pour que la communauté sache exactement comment prévenir. Qu'est-ce qui peut causer aussi l'infertilité? La page suivante. Donc, comme vous le voyez sur cette page, ici dans notre Afrique, surtout au Burundi, dans le monde d'ailleurs, certaines pratiques africaines traditionnelles, culturelles, religieuses ou certains facteurs qui sont trouvés dans l'environnement sont parmi les causes non génétiques et évitables de l'infertilité. Donc, ces causes-là, on peut citer comme les maladies sexuellement transmissibles ou bien certaines pratiques comme les avortements clandestins. Il y a aussi d'autres causes qui sont évitables, qui sont les infections ou bien certaines mutilations sexuelles ou bien pour les habitudes comme la consommation de tabac, des polluants, ainsi de suite, ou bien la malnutrition. Ces éléments-là sont parmi les causes qu'on peut éviter mais qui sont responsables de l'infertilité de l'homme ou de la femme. Nous savons nous tous qu'ici en Afrique, surtout en Afrique subsaharienne, les infections sont parmi les premières causes de l'infertilité. Par exemple, 85% des femmes sont infertiles à cause de l'infertilité en Afrique, contre 33% dans le monde. Et puis ces infections, s'ils ne sont pas traitées, ils peuvent engendrer bien sûr de l'infertilité en bouchant les trompes. Si la femme en question ou bien si les examens ne sont pas faits précocement. Parmi ces infections, on peut citer par exemple la pandémie mondiale qu'on appelle le VIH-Sida. Cette pandémie, le VIH-Sida, elle affecte normalement la santé de notre corps en abaissant l'immunité.
En abaissant l'immunité du corps, notre corps devient faible et il devient susceptible à ces infections-là qui peuvent entraîner l'infertilité. C'est par exemple, si le corps devient faible, il y aura aussi la perturbation des hormones qui sont nécessaires pour que la femme tombe enceinte, ou bien ça peut aussi entraîner une ménopause précoce, et puis quand une femme devient aille à ménopause précocement, ce qui veut dire qu'elle ne peut pas tomber enceinte. Et puis, il y a une autre affection en tant que médecin que nous rencontrons dans notre pratique clinique, c'est le chlamydia et la gonorrhée. Le chlamydia, c'est une infection sexuellement transmissible. Et puis, cette infection-là, car une femme a cette infection, c'est une infection qu'on ne peut pas dire qui est asymptomatique, une infection qui est silencieuse. Ça peut entraîner des inflammations pelviennes. Et puis, ces inflammations pelviennes, ça peut provoquer des douleurs. Ce sont des douleurs qui sont chroniques. Et puis, quand une femme a déjà eu le chlamydia ou la gonorrhée, ça peut aussi causer des grossesses extra-utérines. Et puis, quand une femme a déjà eu une grossesse extra-utérine, par exemple, deux grossesses extra-utérines, comme vous comprenez, lors de l'opération, il faut absolument arriver les trompes. Et puis, quand on arrive les trompes, cette femme en question deviendra automatiquement stérile à cause de ces deux grossesses extra-utérines. Et puis, si, par exemple, le chlamydia a déjà atteint les deux trompes peuvent être bouchées. Et puis, au cas où les trompes sont bouchées, ça peut aussi entraîner. Et puis, chez les hommes, qu'est-ce qui se passe? Chez l'homme, quand un homme a déjà contracté le chlamydia ou la gonorrhée, ça peut entraîner aussi la prostatite. Et puis, la prostatite, ça peut aussi entraîner la stérilité chez l'homme. Comment? Un homme qui a déjà contracté le chlamydia ou la gonorrhée, il peut aussi avoir des canaux qui conduisent le sperme qui sont bouchés. Et puis, quand les canaux sont bouchés, à ce moment-là, l'homme en question va avoir ce qu'on appelle azoospermie obstructive. Et puis, dans ce cas-là, alors, comment éviter ces infections? Il y a une seule manière d'éviter cette infection. Donc, il faut pratiquer le sexe sans risque. Il faut utiliser des préservatifs. Il faut éviter des comportements à risque. Par exemple, échanger des aiguilles, des équipements tranchants, donc ils peuvent transmettre ces infections facilement. C'est ça donc le mot-clé qu'il faut retenir, c'est la pratique du sexe sans risque et le fait d'éviter d'utiliser, de se comporter d'une manière risquée qu'on peut parvenir à éviter ces infections. Alors, il y a une question qu'on se pose, comment on peut faire pour augmenter les chances de devenir enceinte? Ça, c'est ça la question que je vais vous parler pour la page suivante. Il y a plusieurs manières d'augmenter les chances de tomber enceinte. D'abord, il faut être en bonne santé. Comment être en bonne santé? Il faut faire des exercices d'une manière régulière. Il faut faire des exercices d'une manière modérée pour que notre corps soit en bonne forme. C'est-à-dire, en faisant des exercices, on réduit les tissus graisseux qui sont responsables de l'infertilité. Et puis, comme nous le savons scientifiquement, si quelqu'un, une femme ou un homme, il est obèse, ça peut aussi perturber ses chances d'être fertile. C'est-à-dire que, par exemple, pour la femme, et les règles sont fréquentes ou bien absentes, ce qu'on appelle aménorrhée, son cycle menstruel est perturbé. Alors, à ce moment-là, quand quelqu'un fait des exercices d'une manière modérée, ça peut aussi augmenter les chances de tomber enceinte. Le deuxième point qui concerne les stratégies, c'est-à-dire qu'il faut s'alimenter d'une manière équilibrée. C'est-à-dire une alimentation équilibrée permet de maintenir un poids normal. Un poids normal qui peut faciliter, qui peut rendre notre corps bien afin de faciliter une fertilité normale. Ce qui veut dire que c'est par exemple quand une personne ou un homme ou une femme ne mange pas correctement. Et il mange excessivement, ça peut entraîner la maigreur, c'est-à-dire la masse peut devenir très bas ou bien une personne peut devenir obèse. Au cas où une personne est obèse, à ce moment-là, ça devient très difficile qu'elle tombe enceinte. Alors, à ce moment-là, pour une personne qui est obèse, l'obésité peut perturber des règles ou bien la maigreur. Si une femme ou un homme il est
maigre, ça peut aussi perturber sa fertilité, causer l'infertilité. Page suivante. Page suivante. Autre point qui est très important, c'est les gènes de vie. Dans notre pratique quotidienne, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce qui peut nuire à notre santé. Si je cite par exemple, ici dans notre culture en Afrique, on aime la bière. Or, la bière est un poison qui peut affecter la fertilité, que ce soit la fertilité de l'homme ou la fertilité de la femme. À ce moment-là, la consommation de l'alcool nuit à notre santé, nuit à la fertilité de l'homme, nuit à la fertilité de la femme. C'est pourquoi les patientes qui nous consultent, surtout dans notre pratique clinique, nous les conseillons d'abord d'abandonner l'alcool si le verre tombe enceinte. C'est ça la meilleure solution. Ou bien pour les fumeurs, nos fumées, c'est le tabac. Donc, le tabac a aussi des effets négatifs sur la fertilité. Ça peut aussi augmenter, ça peut perturber l'état général de la santé. Et puis, si l'état général de la santé est perturbé, la fertilité exactement est affectée. C'est pourquoi il faut éviter de fumer, il faut éviter de boire l'alcool pour augmenter les chances de tomber enceinte et éviter aussi d'autres drogues qui peuvent venir à notre santé afin d'augmenter les chances de tomber enceinte. Autre chose, c'est le café. Comme vous le savez, par exemple, ici au Burundi, notre pays est le premier producteur mondial du café. Il produit beaucoup de café. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas que le café peut nuire à la santé, peut limiter les chances de tomber enceinte. C'est pourquoi la limitation de la consommation du café peut augmenter les chances de tomber enceinte. Ou bien, avant l'utilisation de la caféine, il faut toujours s'approcher des médecins pour que les médecins vous donnent des conseils afin de savoir comment se comporter. Ou bien de consommer des médicaments sans ordonnance des médecins. Il y a des médicaments qui sont toxiques, qui peuvent entraîner la stérilité. Il y a aussi d'autres produits qu'on utilise quotidiennement, surtout dans l'agriculture, les pesticides, ou bien les métaux lourds qui se trouvent dans les eaux que nous vivons, ou bien dans les poissons que nous consommons. C'est pourquoi il faut faire attention à ce qu'on consomme et à tout ce qu'on fait dans la vie quotidienne. Alors, les toxines sont parmi les causes, c'est-à-dire les toxines qui sont, que ce soit les pesticides ou bien les métaux lourds qui se trouvent dans les gros poissons, ainsi de suite, sont les premiers responsables. Ça peut aussi être les responsables de l'infertilité. Autre chose très importante dans notre vie, comme vous le savez, dans notre vie, il y a le stress. Le stress, ça tue. Le stress, ça peut entraîner l'infertilité, que ce soit chez l'homme, que ce soit chez la femme. Alors, le fait d'éviter le stress peut aussi augmenter les chances de tomber enceinte ou bien augmenter les chances pour l'homme pour que l'homme soit fertile. Alors, nous allons passer sur le volet masculin. Et comme nous l'avons tous, nous sommes conscients qu'il faut briser la stigmatisation autour de l'infertilité en Afrique. Nous devons accepter que les hommes sont au cœur de la reproduction chez l'homme. Nous devons accepter ça parce que l'homme aussi, il est responsable de la reproduction dans son couple. Nous devons aussi savoir que l'homme peuvent être au centre des problèmes de l'infertilité si le traitement n'est pas fait correctement ou bien si le comportement n'est pas adéquat chez les deux. C'est pourquoi, quand on parle de l'infertilité, nous savons que l'infertilité affecte autant les hommes que les femmes. L'infertilité, c'est un parcours partagé du côté du traitement pour la femme et pour l'homme. Nous devons savoir que nous sommes informés que l'infertilité n'affecte pas seulement les femmes. L'infertilité peut aussi affecter les hommes. C'est-à-dire, la moitié des causes de l'infertilité sont du côté masculin. C'est pourquoi l'infertilité est une des affections qu'il faut tenir en compte. Et puis, il faut savoir que l'infertilité est l'une des affections les plus fréquentes, surtout dans les tranches d'âge entre 20 et 40. Nous sommes informés sur ce sujet. C'est pourquoi l'homme est invité à soutenir sa femme. C'est pourquoi il faut que le dépistage soit fait d'une manière précoce, que les deux couples, que ce soit l'homme et la femme,
soit consulté au même moment. Alors, pour l'homme, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas les causes de l'infertilité chez l'homme. Ici, je cite par exemple, si en Afrique, les hommes peuvent dire que l'homme n'est pas stérile parce qu'il peut faire des rapports sexuels d'une manière normale sans problème. Mais ce n'est pas ça. L'infertilité chez l'homme est causée par plusieurs facteurs. Il y a des défauts. L'homme peut avoir des défauts anatomiques, c'est-à-dire des anomalies congénitales. L'homme peut avoir des malformations congénitales qui ne facilitent pas l'éjaculation contenant des spermatozoïdes. Ça, c'est l'un des facteurs. Il y a aussi des facteurs physiologiques. C'est-à-dire que les facteurs physiologiques, c'est-à-dire si l'homme devient impuissant, dans ce cas-là, il est tout à fait impossible que l'homme soit fertile s'il ne peut pas faire des rapports sexuels d'une manière normale. Autres facteurs qui sont très importants, surtout en Afrique, ce sont les facteurs qui sont en rapport avec l'environnement. On sait que les spermatozoïdes sont fabriqués au niveau des testicules. Et les testicules doivent être localisés au niveau où la température est le plus bas. C'est-à-dire que si les testicules, si on habite dans un environnement qui a une température très élevée, à ce moment-là, la spermatogénèse ne va pas se dérouler normalement. C'est par exemple les hommes qui ont des varicocèles. La varicocèle, c'est quand le flux sanguin qui entre dans les testicules augmente la température au niveau des testicules. À ce moment-là, la spermatogénèse ne va pas se dérouler normalement. C'est pourquoi l'homme en question qui a cette anomalie comme une varicocèle devient stérile de temps en temps. Il y a autre anomalie comme les radiations. C'est-à-dire, s'il y a des radiations dans le milieu, les radiations qui sont dans notre entourage. Il y a aussi les drogues, l'alcool, je vous ai déjà dit ça, ou bien la consommation du tabac, ainsi de suite. Tous ces produits-là qui se trouvent dans l'environnement, ça peut entraîner la stérilité ou l'infertilité chez l'homme. Il y a autre facteur que je vous ai déjà dit, c'est aussi les facteurs qui sont liés à l'alimentation. C'est-à-dire, l'obésité ou bien la maigreur, ces facteurs-là, ils sont à la base de l'infertilité chez l'homme. La page suivante. Pour les hommes, la plupart des causes, il peut arriver que la plupart des causes d'infertilité ne sont pas évitables. Mais ces causes-là, ils sont combinés. Ils sont combinés. Et puis, la prévention des toxines, la prévention des facteurs environnementaux qui sont à la base de cette infertilité peut aider à améliorer la fertilité chez l'homme. Alors, chez l'homme, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la fertilité? Il y a quelques conseils qu'on peut donner aux hommes, et surtout aux hommes qui projettent d'avoir des enfants. D'abord, l'alcool, on vous a déjà dit que l'alcool affecte la production des spermatozoïdes et les récalites. Quand un homme consomme de l'alcool, ces spermatozoïdes, ils peuvent être affectés, mais ça dépend. On peut me poser une question. Pourquoi est-ce qu'il y a des hommes qui boivent de l'alcool, mais qui ont des enfants? Ça dépend de la sensibilité du corps humain. Il y a des hommes qui sont sensibles à l'alcool. Si le corps est sensible à l'alcool, à ce moment-là, les spermatozoïdes peuvent être affectés aussi. Il y a aussi d'autres facteurs comme les drogues, quand un homme utilise les drogues, il est exposé à des risques qui peuvent aussi entraîner la stérilité chez l'homme. Par exemple, les drogues qu'on utilise, quand l'homme utilise les drogues en s'injectant, ça peut aussi provoquer des infections comme le VIH et autres infections, ainsi de suite. Il y a aussi d'autres causes comme le tabac. Le tabagisme et la nicotine affectent la qualité des spermatozoïdes chez l'homme. C'est pourquoi les hommes sont invités à arrêter le tabac, ils sont invités à éviter les drogues, ils sont invités à abandonner de l'alcool quand ils projettent quand même avoir des enfants et être fertiles dans les vies. Alors, autre conseil, c'est d'éviter de travailler dans les milieux à haute température. C'est par exemple les chauffeurs. Un chauffeur, quand il conduit par exemple un moto, une voiture, il est exposé à des températures élevées. Et puis les températures élevées qui sont à proximité des testicules, ils peuvent, ils
peuvent affecter la spermatogenèse, la qualité des spermatozoïdes, ou bien au fait de faire des bains dans les saunas, dans les salles d'eau bain de vapeur, ça peut aussi perturber la spermatogenèse chez l'homme. Il faut aussi porter des caleçons souples, des caleçons qui laissent les testicules aller libre, c'est-à-dire qui n'exposent pas les testicules, des sous-vêtements qui n'exposent pas les testicules à des hautes températures. Ça peut aussi améliorer, en adoptant ces comportements, augmenter les chances de la fertilité chez l'homme. L'homme aussi, pour qu'il soit en bonne santé, afin que sa fertilité soit normale, l'homme, en faisant des exercices réguliers, en faisant du sport, il peut augmenter ses chances de fertilité, il peut augmenter ses chances d'avoir un enfant si l'homme évite de s'exposer aux produits chimiques toxiques, ou bien si l'homme évite d'endommager son corps en consommant des produits toxiques. C'est pourquoi nous devons être forts, l'homme et le couple doivent être forts pour mener à bien le parcours de la fertilité. Pour qu'il soit en bonne santé, il doit garder son poids normal. C'est pourquoi l'obésité chez l'homme réduit le taux de la testostérone. Et si le taux de la testostérone est abaissé, effectivement, la production des spermatozoïdes est affectée. C'est pourquoi l'homme, en adoptant une alimentation équilibrée, en adoptant un comportement responsable, il peut augmenter ses chances d'avoir des spermatozoïdes normales et avoir des enfants facilement. Ce que je peux vous dire, c'est que l'infertilité n'est pas un stigma. L'infertilité affecte les hommes et les femmes au même pied d'égalité. C'est pourquoi nous sommes invités à savoir tout ça, que nous soyons informés sur ça. L'homme est invité à se tenir de sa femme. La fertilité est une responsabilité partagée pour l'homme et pour la femme. C'est pourquoi nous devons briser la stigmatisation des couples infertiles et les accompagner dans leur parcours. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et puis, je pense que le message est clair pour les couples infertiles. C'est pourquoi la stigmatisation des couples infertiles en Afrique doit être. L'homme doit savoir qu'il peut être la cause de l'infertilité. L'homme doit savoir croire que l'homme aussi peut souffrir de la pression sociale s'il est infertile. L'homme doit savoir qu'il peut souffrir de la stigmatisation de l'infertilité dans la société. C'est pourquoi il faut un changement mental, un changement de l'attitude et briser toutes les mentalités qui stigmatisent l'infertilité, surtout en Afrique et surtout dans notre pays de Burundi. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci, merci beaucoup Dr Gilbert Libitanga pour votre intervention si riche. Nous avons retenu que la question de l'infertilité est une responsabilité partagée entre l'homme et la femme. Ce n'est pas seulement la femme qui est responsable de l'infertilité. Nous devons avoir un comportement correct, éviter l'alcool, éviter le tabac, éviter la drogue, éviter les températures élevées pour garder notre corps sain et avoir la possibilité de produire des enfants. Parce que tout est question d'un comportement sain, un comportement correct, pour éviter de tomber dans le piège de l'infertilité. Merci donc au Dr Gilbert Libitanga pour cette bonne intervention. Alors maintenant, on va passer à une vidéo. Dites non au diabète, une chanson de sensibilisation sur le diabète qui s'intitule « Dites non au diabète ». Allons donc à ce clip. Dites non au diabète, adieu le diabète, inverse-le, tu peux le faire, oui tu peux le faire, tu peux le faire, oui tu peux le faire. Repousse le diabète, finis le diabète, inverse-le, tu peux le faire, oui tu peux le faire, tu peux le faire, oui tu peux le faire. La meilleure chose chaque jour pour faire la différence, faire du sport tous les jours pour faire la différence. Fini l'alcool, adieu la cigarette, plus de boissons sucrées, voyez la vie sans sucre. Pouvons faire tout ce à quoi nous pensons, de l'exercice physique pour une meilleure santé. Fini l'alcool,
Adieu la cigarette, plus de boissons sucrées. Voyez la vie sans sucre. Choisis une alimentation saine. Libère-toi du sucre. Finis les mauvaises habitudes. De l'exercice tous les jours. C'est un combat mondial, cet ennemi est vicieux, nous pouvons le faire. Faisons le choix d'avoir la volonté, faisons le choix pour une meilleure santé. On peut faire tout ce qu'on veut par la conviction, du sport et une bonne alimentation. Fini l'alcool, plus de cigarettes, plus de boissons sucrées, enlever toutes ces chaînes. Dites non au diabète, adieu le diabète, inverse-le, tu peux le faire. Oui, tu peux le faire, tu peux le faire, oui, tu peux le faire. Choisis une alimentation saine. Libère-toi du sucre. Finis les mauvaises habitudes. De l'exercice tous les jours. Merci, merci beaucoup pour cette belle chanson de sensibilisation sur le diabète. Une belle chanson qui va vous donner beaucoup d'inspiration. Notre prochain orateur est sur le point d'aborder quelque chose de très complexe. Je demanderai donc au docteur Janita Nermul-Bunjun, médecin psychiatre Brown Squire Mental Health Care Center, et Merck Foundation, donc ancien de la Fondation Merck à l'île Maurice, de pouvoir aborder avec nous ce sujet. Elle parlera de l'influence de la stigmatisation de l'infertilité et d'autres problèmes sociaux comme la violence basée sur le genre, le mariage des enfants, les mutilations génitales féminines, etc., sur les femmes et les couples. Elle partagera ses idées sur l'impact social et psychologique de ces problèmes, comment les médias peuvent créer une communauté de sympathie, comment écrire des histoires inspirantes. Suivons donc le docteur Janita. À vous la parole. Je remercie Cassia pour l'introduction. Je remercie la Fondation Merck de m'avoir donné cette opportunité pour qu'on puisse nous éclaircir un peu. Je suis docteur Janita Nirmal-Bajan et aujourd'hui, je vais parler sur les topics déjà mentionnés par Cassia. Je vais aussi discuter sur le rôle du média sur ces problèmes sociaux. Comment le média peut promouvoir la sensibilisation sur ces problèmes? Dr Nibitanga nous a déjà donné des informations très précieuses sur le lien entre l'infertilité et les maladies infectieuses. Donc, l'infertilité est définie comme l'incapacité à obtenir une grossesse clinique après 12 mois de rapport sexuel régulier non protégé. C'est un problème de santé publique mondiale de 20 à 30% dans certaines régions d'Afrique, variant d'une région à l'autre, même au sein d'un même pays. L'infertilité peut grandement affecter notre santé mentale, entraînant une détresse psychologique et divers problèmes de santé mentale. La stigmatisation liée à l'infertilité est un problème de santé publique. Dans les sociétés où les rôles de genre et le statut social sont intrinsèquement liés à la parentalité, ses conséquences sont identifiées. Pourquoi l'infertilité est-elle stigmatisée? La stigmatisation est définie comme un sentiment négatif d'être différent. La stigmatisation de l'infertilité est un phénomène associé à diverses tensions psychologiques et sociales, en particulier les femmes. La société s'attend à ce qu'un couple commence la planification familiale après son mariage. Quelques années après le mariage, l'absence d'un enfant de la famille conduit à une société de jugement.
L'infertilité est encore considérée comme un tabou dans certaines parties du monde. Cependant, les nombreuses avancées médicales modernes sont grandement aidées en termes de fertilité. Plus de 70 millions de couples souffrent d'infertilité dans le monde. Les femmes stériles subissent les conséquences négatives de l'infertilité à un plus haut degré dans les pays en développement que dans les sociétés développées. À l'échelle mondiale, l'infertilité crée des problèmes pour les couples, en particulier pour les femmes, qui sont généralement tenues responsables de l'infertilité du couple et souffrent de chagrin et de frustration personnelle, de stigmatisation sociale et psychologique, de rejet et de graves privations économiques. Rappelons aussi que les hommes et les femmes sont également responsables de l'infertilité. Pourtant, le fardeau incombe souvent uniquement à la femme, en particulier les familles dans les pays en voie de développement. On a un cercle vicieux de la stigmatisation de l'infertilité. La honte, la culpabilité et le secret sont présents. On a un manque de soutien social qui crée la dépression, l'anxiété et le stress, qui peut entraîner l'abus de l'alcool ou de drogue, qui donne des problèmes relationnels et aussi un faible estime de soi. La violence sexiste, c'est une violence contre les femmes et les filles et c'est une pandémie mondiale qui touche une femme sur trois au cours de sa vie. Les femmes et les hommes subissent des violences sexistes, mais la majorité des victimes sont des femmes et des filles. Basé sur l'inégalité entre les sexes, l'abus de pouvoir et les normes néfastes. 35% des femmes dans le monde ont subi et ou sexuelles entre partenaires intimes ou des violences sexuelles non conjugales. Globalement, 7% des femmes ont été actuellement par quelqu'un d'autre qu'un partenaire. Dans le monde entier, jusqu'à 38% des meurtres des femmes sont commises par un partenaire intime. 200 millions de femmes sont connues mutilation génitale, féminine ou excision. Quelles sont les formes de violence sexiste qui existent? Premièrement, on a le mariage d'enfants, la mutilation génitale féminine, les crimes d'honneur, la traite à la fin sexuelle ou d'esclavage, la violence conjugale, punition physique, violence sexuelle, émotionnelle ou psychologique. Premièrement, le mariage d'enfants. Alors que la prévalence du mariage des enfants a diminué dans le monde, il sort d'une fille sur quatre mariée il y a 10 ans, environ une fille sur cinq aujourd'hui, mais la pratique reste répandue. La dévastation de l'enfance. La restriction de la liberté personnelle, la violence domestique, l'analphabétisme, la grossesse chez les adolescentes, la détresse psychologique, le manque de liberté de décision, les maladies sexuelles transmissibles, la violence émotionnelle, l'augmentation de taux de suicide font partie des effets néfastes du mariage des enfants. Les objectifs de développement durable des Nations Unies appelle à une action mondiale pour mettre fin à cette violation des droits humains d'ici 2030. La mutilation génitale féminine. Les mutilations génitales féminines impliquent l'ablation partielle ou totale des organes génitaux féminins externes ou d'autres lésions des organes génitaux féminins pour les raisons non médicales. La pratique n'a aucun avantage pour la santé des filles et des femmes. Les mutilations génitales féminines peuvent provoquer des saignements graves et des problèmes d'urination et plus tard des kystes, des infections ainsi que des complications lors de l'accouchement et une risque accru de décès de nouveau-né. La dépression et une forte capacité suicidaire sont couramment observées dans les cas des mutilations génitales féminines. Maintenant, on va parler sur la stigmatisation sociale et psychologique.
des attitudes oppressives et discriminatoires qui émanent à la fois de la famille et de la société en général, causent des traumatismes mentaux et émotionnels qui peuvent être psychologiques durables chez les femmes. Les femmes stériles qui ont un faible soutien social, une forte socioculturelle, pour avoir des enfants, une adaptation inadéquate, par exemple, axée sur les émotions et évitement, des autismes antérieurs ou des troubles de santé mentale, et les membres de la famille sont trop impliqués, sont particulièrement à risque de détresse psychique, y compris la dépression et l'anxiété. Cela peut très souvent conduire à la séparation ou du divorce de l'homme. L'homme est encouragé à trouver une autre femme qu'il pense pourrait concevoir. La colère, la frustration, le manque d'estime de soi, les difficultés financières et le manque de soutien social dans les cas d'infertilité et de violence sexiste peut contribuer à des problèmes comme l'alcool ou l'intoxication. Des études ont montré que les couples ayant des problèmes d'infertilité réduisent les interactions sociales, en particulier avec les femmes enceintes ou les amis qui ont des enfants. Les couples vivent la stigmatisation. Le sentiment de perte d'identité et l'échec dans le cadre de l'infertilité. Les hommes et les femmes éprouvent le sentiment prononcé de désinfectuosité et d'incompense. Une autre étude a démontré que les hommes de couple qui ne peuvent pas atteindre la grossesse malgré le traitement éprouvent des sentiments négatifs tels que la frustration et la déception causés principalement par les efforts prolongés en termes de médicaments et de coûts des traitements coûteux. Peu de pays offrent une couverture d'assurance pour le traitement de l'infertilité. La gamme de couverture du traitement varie et il n'a pas d'efficacité à 100%. Par conséquent, le coût du traitement de l'infertilité est très élevé. L'échec du traitement peut être une cause de stress et de dépression immense. La difficulté à se concentrer, les pensées intrusives, les cauchemars récurrents, l'irritabilité, les troubles du sommeil, les flashbacks, le détachement, l'évitement, la dépression et l'anxiété sont courants chez les personnes de violence sexiste. Le risque de dépression, de troubles de stress post-traumatique, de toxicomanie ou de suicide est beaucoup plus élevé chez les victimes de violence sexiste. On a vu que 80% des victimes de mutilation génitale féminine souffrent de troubles affectifs de l'humeur. Les autres effets psychologiques des MGF comprennent la distance émotionnelle, les retours en arrière, les troubles du sommeil, l'isolement social et la somatisation. Donc, comment faire face à la stigmatisation? Le counseling psychologique est avéré bénéfique tout au long du traitement médical et d'interventions thérapeutiques. Par exemple, la thérapie cognitivo-comportementale a montré des résultats favorables dans la gestion des mécanismes émotionnels de l'individu ou de groupe et la réduction du risque de psychopathologie. Les experts en fécondité sont de plus en plus conscients de l'importance de prévention éducative pour répondre aux craintes et aux préoccupations des patients et pour mieux les préparer aux exigences du traitement. L'amélioration de la qualité de l'information fournie aux patients est l'un des moyens les plus faciles à améliorer l'expérience des patients. La psychothérapie centrée sur les patients, le counseling sur l'infertilité, la pratique de la prise de conscience, premièrement relâcher le stress, l'exercice, la méditation, les soins personnels sont parmi quelques options complémentaires et alternatives. Quel est le rôle des médias dans tous ces problèmes? Les médias font partie de notre vie et ont une énorme influence sur notre société. L'importance des médias augmente chaque jour en raison de la grande connectivité
qui existent dans le monde entier. Ce sont les médias qui peuvent influencer notre société pour créer un changement culturel. Tout comme nous avons subi la récente pandémie, où toute l'information a été transmise au public, les médias ont un rôle important à jouer pour briser la stigmatisation liée à l'infertilité et aider à prévenir d'autres problèmes sociaux, comme la prévention de la violence sexiste à tous les niveaux, le mariage des enfants, les mutilations génitales féminines et la traite des personnes et le travail des enfants. Il peut également aider à soutenir l'éducation des femmes, la promotion de l'autonomisation des femmes, par exemple psychologique, sociologique, économique, entrepreneuriat, philosophique, éducation, autonomie de loi et santé reproductive. Le média peut aider à promouvoir l'autonomisation, qui est la réalisation complète de son potentiel et du plein développement de ses capacités et la prestation de la vie. Les médias ont également pour rôle d'accroître la sensibilisation aux droits relatifs à la protection des femmes contre la violence familiale, le harcèlement sexuel, le harcèlement professionnel et le harcèlement mental. La communauté n'a pas une connaissance adéquate de l'infertilité et d'autres questions sociales. Ce sont les médias qui peuvent sensibiliser la population à ces questions, leur faire comprendre que l'infertilité affecte les deux partenaires, leur fournir des informations correctes et les encourager à demander de l'aide. Donc, que peut-on faire de plus? Les médias sensibilisent la population à moins de projeter à l'égard des femmes qui ont ces problèmes et essaient plutôt de les encourager à se manifester et à demander de l'aide. Les médias peuvent orienter la population vers les centres de soins primaires, locaux ou les centres de santé communautaires. Aussi, les médias peuvent transmettre ces informations à travers la caricature, le drame, les sketchs, les courts-métrages, ou aussi peut être encourager les gens à adopter les enfants en interrogeant les parents nourriciers ou les enfants adoptés. Sensibiliser la population aux options prometteuses de la procréation médicale assistée. Les médias peuvent aussi sensibiliser la population à l'autonomisation des femmes et promouvoir la santé et l'éducation des femmes dans une tentative de prévenir la violence sexiste, les mutilations génitales féminines et l'arrêt du mariage des enfants. Les médias peuvent aussi encourager les femmes à prendre soin de leur santé mentale. Je vous remercie pour votre temps. Merci, merci beaucoup, docteur, pour cette belle intervention qui a été très, très inspirante pour nous. Et j'espère qu'on va vous retrouver à la fin pour la séance des questions-réponses, évidemment, pour éclairer autour de ces sujets. Mais il faut savoir que les médias doivent sensibiliser la population à moins des préjugés à l'égard des femmes qui ont des problèmes et essayer de les encourager à se manifester et à demander de l'aide. Donc, il faut orienter la population vers les centres de soins primaires. Les médias peuvent transmettre des informations à travers la caricature, le drame, les sketchs, les courts-métrages, etc. Donc, ce sont les questions, les conseils que nous avons reçu de la part de Dr Jenita Nermulbunjun. J'espère que je prononce bien. Vous devez vous orienter vers ce genre de sujet et avoir une connaissance pour pouvoir bien traiter vos articles. Alors, nous allons maintenant passer à notre orateur. Je voudrais maintenant inviter notre prochain conférencier, Dr Ndikumana Soudi, PDG et fondateur de Shifa Medical Center et ancien de la Fondation Merck au Burundi. Il va parler du sujet promouvoir un mode de vie sain et sensibiliser à la prévention et à la détection précoce du diabète et de l'hypertension. Comment signaler ces problèmes à la communauté? Docteur Ndikumana, à vous. Donc, docteur Ndikumana, vous êtes avec nous? Oui, je suis là. Alors, à vous la parole.
Bonjour tout le monde. Bonjour. Je ne sais pas si vous me voyez. Oui, nous vous écoutons. Allez-y. Nous vous écoutons. Ah oui. Tout d'abord, je remercie la Fondation Merck pour cette initiative et cette opportunité. Elle qui nous a toujours aidé à être présents, à avoir ces formations sur le diabète et aussi être présent avec la population en général. Tout en remerciant aussi la fondation de la première dame, son excellence la première dame du Burundi, qui est comme ambassadrice de fondation Merck, mais plus qu'une mère, qui est toujours avec nous. C'est un honneur pour moi de présenter cette dans cette formation des médias sur la santé un sujet de comment promouvoir un mode de vie sain et sensibiliser sur la prévention et le dépistage précoce du diabète et de l'hypertension artérielle. Comment est-ce que le signal peut arriver à la communauté? Je pense que c'est ça qui est ultime, c'est l'objectif même de cet atelier ou cette formation. Parlant de maladies non transmissibles, tout d'abord, je dois signaler qu'il y a deux types de maladies. Donc, il y a les maladies transmissibles dont on était, on était habitué à voir, les maladies infectieuses, dont la tuberculose, le VIH-Sida, la malaria. Mais le monde est arrivé à un autre tournant. Donc, il y a les maladies non transmissibles. Il y a les maladies comme les maladies cardiovasculaires, les maladies comme le diabète, le cancer, les maladies respiratoires chroniques, dont l'asthme et les autres. Ce sont des maladies qui ne sont pas transmises qui ne sont pas infectées, qu'on ne peut pas contaminer, mais qu'on développe vis-à-vis de la combinaison de certains facteurs génétiques, physiologiques, comportementaux et aussi environnementaux. C'est-à-dire que ce sont des maladies qui surviennent de comment nous vivons avec notre entourage, nous vivons avec... donc comment nous avons orienté notre vie. La principale, les maladies non transmissibles, ça occasionne la principale cause de décès dans le monde aujourd'hui, représentant une menace émergente dans la santé publique et au niveau mondial. Et aussi, parmi ces maladies, il y a l'hypertension artérielle, il y a le diabète, maladie cardiaque, comme je l'ai dit, le diabète qui représente plus de 400 millions d'habitants au niveau mondial qui sont atteints du diabète. L'asthme, les maladies respiratoires, mais aussi les maladies bucco-dentaires. Tout ça, ce sont des maladies qui occasionnent un fardeau au niveau de la santé publique. Parlant du diabète, qu'est-ce que le diabète? En termes simples, parce qu'on parle au personnel de médias, faut pas, on peut vous épargner des terminologies sémiologiques et autres. Seulement, en termes simples, le diabète est une maladie métabolique chronique qui est caractérisée par des niveaux élevés de glucose dans le sang. C'est-à-dire que quelqu'un va faire le taux, va faire un examen qui va lui montrer le taux de glucose dans le sang. Et dès que c'est élevé à deux reprises différemment, là, on va dire que quelqu'un a un diabète. Et parmi ces taux, il y a différents modes pour au niveau du laboratoire. C'est-à-dire que quelqu'un qui a au-delà de 7 millimoles par litre à deux reprises, à jeun, qui n'a rien mangé le matin et qu'il demande le taux de glucose dans le sang, c'est-à-dire c'est la glycémie, c'est au-delà de 7 millimoles par litre, là, on va confirmer qu'il a le diabète. Et d'autres machines donnent en termes de milligrammes par décile. C'est-à-dire au-delà de 126 milligrammes, là aussi, on va dire quelqu'un, il a le diabète. Mais cette maladie, ça entraîne au fil du temps de graves dommages au niveau du cœur, au niveau des vaisseaux sanguins, au niveau des yeux, au niveau des reins et au niveau des nerfs. Mais comment on va savoir que quelqu'un a le diabète? Il y a différents signes, mais il y a des signes qui sont pathognomoniques, des signes qui sont, je peux dire, cardinaux. On peut les résumer par papa. P comme polyurie, c'est-à-dire miction excessive, vouloir uriner plusieurs, vouloir donc avoir une fréquence exagérée de la miction, et aussi A comme asthénie,
C'est-à-dire on a une asthénie physique, quelqu'un qui a une faiblesse dès le matin, une faiblesse pendant toute la journée, mais aussi il a une polydipsie ou une polyphagie. Donc il a une polydipsie, il a une soif intense. Quelqu'un, il est là, il a besoin de boire beaucoup. Et aussi, il a une polyphagie. Quelqu'un veut beaucoup manger. Donc là, ce sont les P. Mais aussi, il y a les A comme amaigrissement. Au fur et à mesure, quelqu'un perd du poids. Il perd du poids sans toutefois savoir la cause. Donc les papas nous donnent les quatre signes cardinaux qui vont dire à ce que quelqu'un a le diabète. Mais aussi, il y a d'autres signes qui peuvent accompagner dans le changement visuel, la fatigue et autres. Les signes sont là. Vous allez voir quelqu'un quand il a la soif intense, il va boire beaucoup. Et dès qu'il va boire beaucoup, il va aller à la miction, il va aller uriner plusieurs fois. Quelqu'un qui a des picotements dans les pieds et les mains, et aussi c'est déjà les formes qui sont un peu avancées du diabète. Ou bien quelqu'un qui fait des plaies, mais qui font des guérisons lentes, des coupures des plaies et autres. Et parlant du diabète, nous avons différentes formes du diabète. Mais pour aujourd'hui, on peut vous donner seulement les trois principaux types de diabète. Mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus spécialisés, beaucoup plus, beaucoup plus conformes. Mais parlant du diabète, en tant que média, on doit savoir qu'il y a le diabète de type 1. C'est un diabète insulino-dépendant. On a un diabète de type 2. C'est un diabète qui a une apparition tardive. Donc, c'est un diabète qui est non insulino-dépendant. Mais aussi, il y a un diabète qu'on appelle, c'est un diabète gestationnel. C'est un diabète qui est lié à la grossesse. C'est un diabète qui apparaît pendant la grossesse, mais normalement disparaît après l'accouchement, quelques semaines, ça peut disparaître. Alors, le diabète de type 1, qu'on a dit, c'est insulino-dépendant. Donc, c'est un diabète du jeune âge, qui est lié par le défaut de production de l'insuline ou le défaut de ne pas avoir là où l'insuline devrait être produite. Quelqu'un qui a le type 1, c'est-à-dire qu'il n'a pas produit l'insuline. Parce que le cœur humain, il a besoin de l'insuline pour réguler le sang qui est le sucre ou bien le glucose qui est dans le sang. Là, je vais essayer de vous montrer que Il y a ce qu'on appelle le pancréas. Le pancréas, c'est un organe humain qui est là juste pour produire certaines hormones. Alors, le pancréas a différentes cellules. Donc, il a les cellules alpha qui produisent le glucagon, mais aussi il a les cellules bêta de Langerhans qui produisent ce qu'on appelle l'insuline. Et ce qui nous concerne ici, c'est l'insuline. Alors, quand on va parler de glucagon comme gay, alpha comme les cellules alpha qui produisent le glucagon et aussi les cellules bêta qui produisent l'insuline, on va donner un mnémotechnique qui va nous donner GABI. En tant que personnel de médias, pour être beaucoup plus perspicace, on va dire on a GABI. G comme glucagon qui sont produits par les cellules A comme alpha, mais aussi il y a B comme les cellules bêta de Langerhans qui produisent l'insuline. Alors ce qui nous intéresse pour le diabète, c'est l'insuline. Et l'insuline va essayer de réguler le taux de glucose dans le sang. Parmi certains facteurs de risque du diabète de type 2 qui survient tardivement, ce sont les antécédents familiaux du diabète. On va demander à ce que si dans la famille proche, les parents, les proches parents, quelqu'un a fait le diabète. Mais aussi, il y a avoir l'âge, plus de 45 ans, là on peut dire là, il est susceptible à faire le diabète. Le mode de vie stressant, le stress, les présentateurs qui nous ont précédés nous ont montré les méfaits du stress même dans l'infertilité. Mais l'inactivité, la sédentarité, quelqu'un qui ne fait pas d'activité physique, quelqu'un qui ne bouge pas, qui reste seulement assis, il peut faire le diabète. Bon, il y a certaines origines ethniques aussi, mais aussi il y a ce qu'on appelle il y a le diabète qui est aussi quelqu'un qui a l'hypertension artérielle peut aussi faire le diabète. Donc c'est la relation entre le diabète et certaines maladies dont l'hypertension artérielle.
Parlant du diabète qui n'est pas traité, il présente des complications énormes, de la tête aux pieds. Au niveau de la tête, on peut dire au niveau du cerveau, il y a l'AVC, l'accident vasculaire cérébral. C'est-à-dire que le diabète peut attaquer le cerveau, mais aussi le diabète peut attaquer les yeux, avoir une rétinopathie diabétique. C'est au niveau des yeux. Donc la cécité aussi peut subvenir, mais aussi au niveau de la poitrine, au niveau du cœur, il y a un problème des maladies cardiaques, mais en descendant aussi au niveau des reins, il y a l'insuffisance rénale, au niveau des pieds, il peut y avoir des pieds diabétiques, il peut y avoir des plaies infectieuses, tout ça, qui peuvent occasionner des problèmes aussi dangereux. Pour traiter le diabète, avant même de donner les traitements, le traitement, il est à la base du régime hygiéno-diététique. C'est-à-dire, c'est la nutrition, c'est ce que nous mangeons, c'est ce que nous avons décidé d'ingérer dans notre corps. Parce qu'on a vu que ce sont les différents comportements, les différents environnements qu'on a choisi de vivre, les moyens de vie, le mode de vie, c'est ça qui change le corps à ce que le diabète puisse évoluer ou pas évoluer. Alors, on a trois catégories d'aliments qu'on doit manger ou bien qu'on doit éviter ou bien qu'on peut parfois manger. Je pense que la liste, elle est là. C'est question seulement de savoir les comment catégoriser les aliments sur base de l'index glycémique. Parce qu'il y a des aliments qui ont un index glycémique plus élevé. Là, c'est à éviter. Mais on a aussi besoin de glucose ou bien de glucides pour donner de l'énergie, de la force. Donc, c'est question de savoir équilibrer ce que nous ingérons et ce que nous allons sortir et comment nous vivons. Alors, il n'y a pas un aliment propice pour ne pas attraper le diabète ou pour être en bonne santé. Mais c'est question que chacun puisse avoir une mentalité qui lui donne à faire une décision ultime. Mais aussi, il y a la prévention. On peut prévenir le diabète, on peut prévenir les maladies non transmissibles. C'est le poids corporel qui doit être sain. On peut parler de BMI, c'est-à-dire l'indice de BMC, l'indice de masse corporelle. On doit régulièrement savoir le poids qu'on pèse pour savoir aussi comment évaluer l'indice de masse corporelle. En anglais, c'est BMI. Mais aussi, il faut être physiquement actif, faire régulièrement du sport, au moins 30 minutes, 5 fois par semaine, avoir au moins 150 minutes par semaine, juste avec une marche à l'air libre pour laisser à ce que le corps puisse se développer et avoir une bonne santé. Mais aussi avoir un régime équilibré, conseillé par le personnel soignant ou son médecin. Et nécessairement, il faut éviter l'usage du tabac. Parce qu'on a vu aussi avec l'infertilité que le tabac, c'est devenu grave. Parce que ça endeuille, ça a tué la vie de plusieurs patients que nous avons aujourd'hui. Et deuxième partie, c'est quand nous allons parler de l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle, comme le diabète, c'est on les appelle des tueurs silencieux, silent killers. On a l'hypertension artérielle qui est diagnostiquée si on a fait aussi les mesures deux jours différentes, c'est-à-dire on a les mesures qui dépassent 140 mm de mercure sur 90 ou bien 80 mm de mercure deux jours régulièrement. Là, après un repos de 10 à 20 minutes, on peut conclure que quelqu'un est déjà en étape de faire une hypertension artérielle. Mais c'est une affection dans laquelle les vaisseaux sanguins sont constamment soumis aux pressions élevées. Mais c'est un facteur de risque majeur pour les maladies cardiovasculaires. Quand on a déjà l'hypertension artérielle, quand on a déjà le diabète, là, c'est comme on a ouvert la porte pour que les autres maladies puissent venir, puissent avoir là où elles vont siéger. Alors, on ne sait pas si on a l'hypertension artérielle avant qu'on ait déjà atteint. Donc, c'est question aussi d'avoir une culture
de faire des examens, d'aller consulter les centres de santé, les centres médicaux, parler avec les personnels soignants pour voir si on a un état sain. Aussi, il y a certains facteurs qui sont de risque pour l'hypertension artérielle, comme on l'a vu pour le diabète. Mais ces facteurs, on a des facteurs qui sont modifiables et des facteurs qui ne sont pas modifiables. Les facteurs modifiables, c'est-à-dire ce sont les facteurs environnementaux, ce sont les facteurs avec lesquels nous sommes avec, mais qu'on peut modifier. Le régime alimentaire, on peut modifier le régime alimentaire, on peut modifier l'inactivité physique. On peut décider aujourd'hui qu'on va faire du sport 2 ou 3 fois par semaine. On peut modifier la consommation du tabac et de l'alcool. On peut modifier le surpoids. On peut adopter un régime qui va nous aider à ce que on ait un poids qui est conforme à ce que aux mesures que nous avons aujourd'hui. Mais il y a des facteurs qui ne sont pas modifiables. Les antécédents familiaux. On n'a pas décidé à avoir des parents pareils. On n'a pas décidé à être né dans une famille de gens hypertendus, des diabétiques, tout ça. Alors, ce sont des choses qu'on ne peut pas modifier. L'âge, on a 65 ans. On ne peut pas modifier 65 ans ou bien 90 ans. On ne peut pas modifier cet âge-là. Donc, on doit vivre avec. Les maladies coexistantes, telles que le diabète, les maladies rénales, tant qu'on a déjà ces maladies, c'est difficile d'en modifier. Alors, il faut savoir qu'il y a facteurs de risque, il y a 2 facteurs de risque. Il y a les facteurs de risque qui sont modifiables et des facteurs de risque qui ne sont pas modifiables. Nous, en tant qu'acteurs, on doit miser nos efforts pour les facteurs modifiables afin de sensibiliser la population à savoir comment prendre des décisions qui sont beaucoup plus saines pour leur vie. Quand on a une hypertension artérielle, il y a certains symptômes. Les certains symptômes, normalement, une personne souffrant de l'hypertension artérielle, elle est asymptomatique. Elle ne présente pas de signes. Elle ne sait pas si elle est malade. C'est par après quand ça va évoluer, parce qu'il y a aussi certains grades d'hypertension artérielle. Mais la mesure de l'hypertension artérielle, c'est le seul moyen de diagnostiquer l'hypertension artérielle. C'est simple. C'est faire une mesure à l'aide d'un sphygmomanomètre. On met le brassard et puis on voit les chiffres. Mais aussi, c'est devenu beaucoup plus facile parce qu'il y a même les machines qui sont électroniques qui va à ce que tout le monde peut faire une prise de la tension artérielle. Mais lorsque les symptômes surviennent, comme le maux de tête du matin, saignement de nez, rythme cardiaque qui sont irréguliers, changement de vision, bourdonnement des oreilles, là, on a les acouphènes, tout ça. Ça, ce sont des signes qui vont nous prouver à ce que quelqu'un est en train de faire une hypertension artérielle. Mais l'hypertension artérielle peut être aussi sévère. La fatigue intense, les nausées, les vomissements à jeun, les confusions, l'anxiété, les douleurs thoraciques, les tremblements musculaires. Là, on va chercher d'autres maladies en rapport avec le cœur, en rapport avec les vaisseaux qui vont accompagner l'hypertension artérielle. Mais avant d'y arriver, on doit savoir qu'on doit être sûr de la tension artérielle qu'on présente. Aussi comme le diabète, l'hypertension artérielle présente aussi des complications du point de vue du cerveau. Il y a aussi l'AVC. Quelqu'un qui a l'hypertension artérielle peut aussi faire l'AVC. Il peut faire les lésions des vaisseaux sanguins. Il peut faire des crises cardiaques. Puis faire les lésions rénales. Donc, ce sont les maladies non transmissibles qui se marient et qui agissent comme ensemble. On peut toutefois prévenir l'hypertension artérielle, comme on l'a fait dans le diabète. On peut prévenir l'hypertension artérielle. Il faut réduire et toujours réduire le sel à moins de 5 grammes par jour. Le sel de table. Et aussi, il ne faut pas avoir la culture. Là, ce sont les conseils de l'OMS. Il ne faut pas avoir la culture d'ajouter le sel de table. Donc, il faut réduire le sel de 5 grammes par jour. Il faut manger régulièrement des fruits et des légumes. Il faut éviter les graisses saturées et les acides gras. Il faut aussi éviter le tabac. Il faut réduire la consommation d'alcool. Il faut faire l'exercice physique régulièrement, comme je l'ai dit. Faire au moins 30 minutes par jour pendant 5 jours, c'est-à-dire c'est 150 minutes. Par semaine.
mais aussi il faut suivre les conseils des médecins et autres personnels soignants, juste à respecter les changements de votre vie. Là, c'est une décision personnelle, c'est une décision familiale, c'est une décision collégiale. Mais il faut prendre les médicaments tels que prescrits par les médecins et aussi vérifier régulièrement la tension artérielle et réduire et gérer le stress. On nous a parlé du stress. Docteur nous a parlé du stress aussi. Le stress, ce n'est pas une maladie. Le stress, c'est un facteur favorisant d'autres maladies. Donc, on vit avec le stress, c'est-à-dire on est en train d'appeler d'autres maladies, être ou vivre dans notre organisme. Quel peut être le rôle des médias dans tout ça? Les médias, c'est le quatrième pouvoir. Ce que les médias parlent, nous devrons l'écouter, nous devrons le suivre, nous devrons l'envisager dans notre agenda. Alors, les médias de masse constituent un lien important entre les résidents ruraux et les informations vitales sur la santé. Ce que je dois signaler, c'est qu'un diabétique, il passe, un diabétique qui est sérieux et qui est discipliné aux consultations, il passe 3 heures par an à voir les médecins. Or, dans une année, nous avons plus de 8 760 heures. C'est-à-dire que seulement 3 heures sont utilisées pour voir les médecins. Dans le reste des heures, les diabétiques ou bien les autres malades comme l'hypertendu, ils sont seuls à la maison. Alors, qui doit les aider à enchaîner ou bien à prendre la sérieuxité dans le changement de comportement? C'est vous, les médias, qui doivent aider ces gens de santé à élargir leur audience aussi. Et les médias jouent un rôle majeur dans l'éducation du public aux problèmes de santé, à la responsabilité de communiquer au public des informations exactes sur la santé et les sciences. Les médias peuvent jouer un rôle supplémentaire en étant intégrés dans un programme qui comprend les interventions en face à face ou d'autres formes d'intervention. Mais les médias peuvent être utilisés à de nombreux niveaux d'organisation du public, tels que les niveaux individuels, le réseautage et aussi organisationnel et sociétal. Mais la promotion de la santé, la prévention des maladies, l'objectif est d'améliorer un état de bien-être. Là, un mot qui est le bien-être, pour protéger ceux en santé et la population à risque. Ça, c'est le grand rôle que les médias peuvent jouer, c'est le grand rôle que les médias peut donner pour juste accompagner les efforts qui sont faits dans les cabinets, les efforts qui sont faits dans nos hôpitaux. Alors, la balle est à vous, la tâche est à vous. Je vous dis grand merci et bonne chance pour la suite des programmes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Dikoumana, pour une présentation aussi perspicace qui nous a beaucoup aidé. Chers participants, veuillez noter que vous pouvez taper vos questions dans la section des commentaires ou dans la boîte de discussion. Et les conférenciers, vous pouvez également répondre aux questions posées par nos participants. Alors, jusqu'à présent, nous avons entendu nos experts médicaux. Nous aimons vraiment ce qu'ils disent. Ça nous apprend beaucoup. Et nous arrivons maintenant à la dernière session de la journée. Il est maintenant temps d'entendre notre experte des médias, Madame Mireille Kanenge, présidente et représentante légale de la Maison de la Presse du Burundi, journaliste et reporter à la radio-télévision Isanganiro depuis juillet 2013 et membre de l'Association des femmes journalistes du Burundi, AFJO du Burundi. Madame Mireille Kanenge interviendra sur le rôle des médias dans la sensibilisation des communautés au niveau local et la sensibilisation aux problèmes de santé et sociaux tels que la stigmatisation de l'infertilité, l'éducation des filles, le mariage des filles, la violence sexiste et les mutilations génitales féminines et bien d'autres. Donc, suivons Madame Mireille. Alors, chers amis, nous sommes en train de parler d'un autre sujet important avec Madame Mireille Kanenge, présidente et représentante légale de la Maison de la Presse du Burundi, journaliste, reporter à la radio-télévision Isanganiro. Elle va intervenir avec nous. Alors, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires à faire, vous pouvez intervenir en direct maintenant et dites-nous ce que vous pensez. Posez vos questions maintenant. C'est le moment des questions en rapport avec les différents thèmes que nous avons abordés. Vous pouvez donc les poser maintenant. Vous levez la main, vous intervenez, vous ouvrez votre micro et vous intervenez. Y a-t-il des questions en rapport avec les thèmes qui ont été abordés? Il y a
notamment des questions en ligne de Joseph Voyarié. Une femme enceinte porteuse de diabète peut mettre au monde un nouveau né diabétique? La question à Dr Gilbert Nibitanga. Merci, et merci beaucoup. C'est une bonne question que Joseph vient de poser. Une femme enceinte, normalement, ne met pas au monde un enfant qui est porteur de diabète. Au contraire, met au monde un homme, un enfant qui a un macrosome, qui a un pasteur qui est. Et puis ces enfants-là, dans leur corps, ils ont beaucoup d'insuline. Beaucoup d'insuline, et l'insuline qui consomme excessivement la glucose. À son moment, après la naissance, ces enfants-là, des mères diabétiques, ils sont exposés à l'hypoglycémie. L'hypoglycémie parce que l'insuline qui est excessive dans leur corps, ils consomment le sucre. Et puis ces enfants hypoglycémiques, le plus souvent, on les prend en charge d'une manière spéciale dans l'unité de néonate pour la prévention de cette hypoglycémie. Normalement, c'est une question qui a été bien posée. L'enfant n'est pas avec le diabète, mais il va naître avec une quantité excessive d'insuline qui consomme effectivement le sucre. Merci pour cette question. Donc, nous sommes ouverts à vos questions. Vous posez vos questions directement à travers ce direct. Vous levez la main ou vous ouvrez votre micro et vous posez la question. J'ai également une autre question. Je voulais savoir si les recherches ne pourront pas un jour découvrir des médicaments qui éradiquent le diabète, comme c'est le cas d'autres maladies chroniques. C'est aussi une bonne question. C'est la question dont oui, effectivement, il y a des recherches. Il y a des recherches qui sont là, qui sont en cours. Espérons un jour que les chercheurs vont parvenir à inventer des médicaments qui peuvent modifier notre organisme. Mais c'est un travail de tout le monde, des chercheurs. Il faut continuer les recherches pour voir si on peut trouver une solution à cette maladie-là qui menace le monde entier. Alors, nous poursuivons avec la séance des questions-réponses. Si vous avez une question à poser, vous levez votre main. Je verrai ici et je vous donnerai l'occasion de vous exprimer. Autrement, vous pouvez également écrire sur la boîte de discussion pour intervenir. Pourrions-nous, s'il vous plaît, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous envoyer le module que Dr Gilbert a présenté? Ça peut nous aider dans la production des articles à publier sur nos médias. Voilà, c'est une suggestion. Y a-t-il un rapport avec les mauvaises pratiques d'hygiène dans les périodes menstruelles chez la femme et l'infertilité chez la femme? Y a-t-il un rapport avec les mauvaises pratiques d'hygiène dans les périodes menstruelles chez la femme et l'infertilité chez la femme? Une question posée. Oui, merci. Allez-y. Je vais répondre directement à cette question. Oui, effectivement, s'il y a une mauvaise hygiène dans les pratiques... Il y a une mauvaise pratique d'hygiène dans les périodes menstruelles chez la femme. Bien sûr, c'est l'un des facteurs qui peuvent causer des infections. Si l'hygiène n'est pas bonne, les infections sont là. Et puis, comme on le sait, pendant les règles, le corps de la femme est ouvert. Et puis, si l'hygiène n'est pas bien pratiquée à ce moment-là, les germes infectieux et les bactéries, ils peuvent monter au niveau de l'utérus et puis atteindre les trompes. C'est pourquoi donc les femmes sont invitées à faire une bonne hygiène lors des règles. Surtout, c'est tout ce que je peux dire, il ne faut pas faire des rapports sexuels pendant les règles. Il faut faire attention à ça parce que les germes peuvent monter au niveau du corps et puis atteindre les organes cibles comme les trompes. Merci. Sur ce que fait la Fondation Mère, oui, allez-y. Qu'est-ce que vous prévoyez en tant que la Fondation Mère faire pour aider les médias qui s'intéressent aux questions liées à rapport avec la stigmatisation liée à l'infertilité? Donc, la plupart des médias, dont le mien, nous
nous faisons des, nous voulons faire des reportages à l'intérieur du pays, mais ça arrive que on se heurte aux problèmes financiers. Est-ce que au sein de la fondation, qu'est-ce que vous prévoyez pour que nos médias puissent travailler convenablement? Merci. Non, c'est une bonne question. Normalement, vous êtes un média et puis qui veut aider pour éradiquer la stigmatisation des couples dans notre société burundaise. Et financièrement, vous savez que chaque organisation s'organise. Et puis, comme vous avez entendu, Merck, comment il peut aider? Il y a des... On a projeté des prix. Je pense que ce que vous pouvez faire pour avoir ce financement, il faut d'abord préparer votre travail et puis le présenter pour qu'on vous donne cette récompense. Sinon, chacun, normalement, Merck ne prévoit pas ça pour financer chacun média afin d'aller virages, afin de faire son travail. Voilà, j'espère que vous avez compris l'explication. Est-ce que vous êtes satisfait, M. Eric Ndaihaya? Pas du tout. Alors, la date limite a été, la date limite a été fixée le 30 octobre 2022. Et alors, maintenant, nous sommes en 2023. Comment est-ce que nous allons? La date limite, il y avait d'abord une première compétition pour l'année passée, qui a déjà, la date limite est déjà consommée. Maintenant, en 2023, on a lancé encore une autre compétition, donc jusqu'en 2023 ici, donc jusqu'à la date de 2023, vous pouvez participer à ce jeu. Ce qui a été bouclé a déjà été bouclé, voilà. Oui. Ah, ok, merci. Ah, je vois que Innocent n'est pas vraiment avec nous. Selon l'OMS, les maladies cardiaques sont restées à la principale cause du décès au niveau mondial ces 20 dernières années. Pourquoi? C'est une question. Les maladies cardiaques sont restées la principale cause de décès au niveau mondial. Pourquoi cela? Oui, encore une fois, bonjour. Bonjour. Oui, c'est lié à différents facteurs. Tout d'abord, nous vivons un monde où le stress est devenu un mode de vie. Le mode de vie aussi qui est devenu très précaire. Les gens ne prennent pas leur alimentation comme médicament, mais ils finissent par prendre des médicaments comme alimentation. Le cœur étant une pompe, c'est le central de presque tous les mouvements, toutes les activités, mais le cœur il est affecté partout dans tout ce que nous faisons. Les différents facteurs qu'on a cités qui sont modifiables, les gens n'ont pas eu le courage, ou bien on n'a pas ce courage là de pouvoir les affronter. On vit avec le stress, on mange toujours du sel. On ajoute même sur table, on vit dans un moment, dans des environnements d'une activité, le taux de chômage, tout ça, alors l'obésité. Donc, c'est ça. Si les maladies cardiaques sont là, c'est parce que les facteurs de risque sont toujours là. Ce ne sont pas des maladies qui viennent du ciel. Mais ce sont des maladies qui sont développées par les mouvements ou bien les modes de vie qu'on a adoptés en tant qu'individu. Mais on peut renverser la vase si du moins on décide autrement. Et aussi l'accès aux médicaments n'est pas facile. L'accès aux examens, juste pour faire les examens cardiaques, c'est pas facile pour tout le monde. Je pense que c'est ça. On nous demande ici par Emeline Iradokunda, quelle est la situation de la fertilité au Burundi? Docteur, allez-y. Merci beaucoup. Effectivement, le Burundi n'est pas épargné dans l'infertilité comme on le sait. Ce que nous savons pour le moment, au Burundi, il n'y a pas de chiffre officiel. Mais dans notre pratique actuelle, nous avons constaté qu'il y a environ 25% des couples qui sont infertiles qui viennent nous consulter. Mais surtout dans les pays africains, l'OMS a déjà publié des articles pareils, environ 25% des couples sont infertiles. Et puis, ce que nous avons aussi déjà constaté, c'est que
l'infertilité affecte au même pied d'égalité, c'est dans notre pays, les hommes et les femmes. Ce que je dois signaler ici, c'est que j'ai déjà constaté que ici dans notre pays, le Burundi, il y a beaucoup de femmes qui ont des trompes qui ne sont pas bénignes, des trompes qui sont bouchées à cause des infections sexuellement transmissibles. Il y a aussi des hommes qui n'ont pas de spermatozoïdes, c'est-à-dire des hommes qui ont une azoospermie à cause de ces infections-là. C'est ça la situation. Donc, officiellement, il n'y a pas de chiffres officiels, mais dans nos cabinets, dans la pratique, nous voyons qu'il y a un grand nombre de couples qui viennent nous conseiller. Par exemple, ici au Burundi, dans mon cabinet, par jour, il y a au moins 20 malades qui viennent se consulter sur 50. Vous voyez que le chiffre est alarmant quand même. Merci. Alors, je crois que nous sommes arrivés... Oui, allô? Bon, je crois que nous sommes arrivés à la fin, à moins qu'il y ait une autre question. Ouais. Merci à vous de nous avoir suivis, d'avoir suivi les orateurs. Ça a été une très, très belle expérience de pouvoir partager ces informations avec vous. Donc, on se retrouve prochainement. D'ici là, je vous souhaite des bonnes choses. Portez-vous bien et au revoir.